Nous sommes au pays Akan, à l'est de la Côte d'Ivoire. Le langage tambouriné et ces images de prêtresses, encore appelées komia dans nos villages, font penser au concepteur du bonsonisme, Jean-Marie Adiavi. Jean-Marie Adiafi défendait la thèse selon laquelle les komia doivent être honorés. Jean-Marie Adiafi a voulu restituer la spiritualité africaine à la dimension qu'elle mérite. Il estimait donc que le culte des génies, qu'on appelle chez nous les bossons, doit être le même culte qu'on voue aux prophètes ou au dieu des religions révélées. L'écrivain, le cinéaste Jean-Marie Adiafi aura tout fait pour valoriser les pratiques des komia. 22 ans après sa mort, le concept de bonsonisme ou de génie anani est devenu un sujet dont la réponse fait appel à plusieurs intelligences. Méditons donc. Parce que toujours ils disent, on va vous aider. Mais jusqu'à depuis 1992, jusqu'à aujourd'hui, personne n'est venu à mon aide. C'est pour cela qu'actuellement, là, j'ai mis d'arrêter. Parce que des fois, je reçois plus de 22 élèves. Ils sont à ma main. C'est un peu comme ça.